Bonjour les amis. Alors là, je vous présente une petite batterie de 12 volts pour moto. Alors c'est une batterie Fulmen qui fonctionne avec de l'acide sulfurique. C'est un ancien modèle, regardez. Alors 12 volts, 3 ampères, hein. Puissance 15 ampères. Voilà. Alors ça, c'est à manipuler avec vraiment des précautions, hein. Voilà. À l'époque, quand j'ai acheté la batterie, c'est l'acide qui se trouve encore à l'intérieur que je devais mettre dans la batterie. Alors, c'est des batteries au plomb. Alors, on va prendre une pince et enlever un capuchon. Alors, voilà. Vous voyez? D'ailleurs, les niveaux, regardez. Oui. C'est bon. Il est à niveau. Il doit être tout juste au-dessus des grilles, hein. Voilà. Alors cette batterie, l'entretien, c'est simple. Ça, c'était pour faire le premier remplissage. Et ensuite, vous continuez avec de l'eau déminéralisée. Alors cet accu, ça fait longtemps que je m'en sers plus. D'ailleurs, elle a servi quelques mois seulement, hein. Alors je vais la recharger avec le chargeur rapide que j'ai, hein. Et puis on verra si c'est la capacité de l'accu, hein. Voilà, je vous remontre encore une dernière fois, hein. Voilà, le code barre. C'était Fulmen. Le moins est de ce côté. Le plus est de ce côté. Catégorie 9. Voilà. Alors, certaines tondeuses ou motoculteurs avaient aussi ce genre de batterie. Hein. Voilà. Ah ben voilà. Sur ce, cette vidéo se termine et je vous dis à une prochaine. Au revoir.